Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, mon tant que ça va nickel. Aujourd'hui, je vous souhaite, en retard, je suis désolé, un joyeux Noël et une bonne année. Parce que faut savoir que en décembre, c'était la merde à mon travail. J'ai pas eu le temps de tourner des vidéos, j'ai pas eu le temps vraiment de vous souhaiter tout ça. Sauf au jour de l'an, bien sûr, pour ceux qui ont été présents sur Twitch. 3, 2, bonne année! Je suis en retard! Allez, bonne année! Happy New Year, Skelly! Aujourd'hui, voilà, nous sommes en 2024. Bienvenue en 2024. Cette année, sur cette chaîne, ça va être du progrès, ça va être de la présence, ça va être du changement, du nouveau. Enfin, vous allez voir, je vais prévoir des trucs, mais vraiment. Vraiment. Voilà quoi. Je vais vous parler de mes résolutions qui vont m'impacter aussi bien que la chaîne, aussi bien que personnel. Mais ce n'est que du positif. Avant de bien sûr parler de résolutions, on va d'abord répondre à toutes les questions. J'ai mis toutes les questions. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, j'ai prévu de répondre aux questions avant de passer aux résolutions que j'ai reçues depuis que j'ai fait l'annonce FAQ que j'avais annulée. Et là, cette fois-ci, je vais bien sûr les lire et y répondre. Du coup, on va commencer avec les questions sur Discord. Caminator qui nous envoie: salut Théo, je voulais savoir quel logiciel tu utilises pour faire, par exemple, tes musiques et tes montages. Alors, le logiciel que j'utilise principalement pour faire de la musique, c'est FSTudio 21. Et c'est un logiciel que j'ai acheté. Bah, je pense pouvoir rester un bon moment, voire toujours sur FSTudio. Vu que bah, j'ai pris mes repères sur FSTudio, j'ai pris mes trucs sur FSTudio. Tu peux avoir une version trial de FSTudio, donc gratuit. Mais ça, le souci, c'est que tu dois faire tout ça one shot. Parce que si tu sauvegardes, tu peux sauvegarder. Mais pour récupérer le projet, tu dois payer. Du coup, bah, si jamais tu te lançais dans la musique, prends Dashboard, le petit truc de FSTudio, je crois qu'il coûte 70 balles, je crois, de base. La version normale, je crois. Enfin, voilà le prix. Et en termes de montage, j'utilise Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel qui me va. Je fais pas, je cherche pas à faire des montages vraiment complexes comme Potatoes, comme, comme Antoine Daniel ou autres youtubeurs qui font des montages, mais vraiment, voilà. Non, moi, ça me suffit juste pour faire des cuts et des zooms. Et deux top petits trucs sympathiques. Voilà, ça me suffit amplement. Du coup, maintenant, on va passer aux questions sur YouTube. Donc, je vais d'abord dire le post. Gabinator, qui m'envoie, bien sûr, c'est toujours la même personne. Gabinator, qui m'envoie, quels sont tes projets futurs en tant que superbe compositeur? En tant que super compositeur. Mais alors là, franchement, ça me touche beaucoup. Franchement, c'est... Voilà, j'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Et mes futurs projets, alors déjà vous savez tous, mes futurs projets de compositeur, c'est bien sûr composer pour des grandes boîtes de production, que ce soit jeux vidéo ou film, comme par exemple Paramount, Warner Bros, Universal, DICE, Activision. Je vais pas citer tous, mais si je peux faire, tu vois, être compositeur de grosses boîtes, franchement, je serais heureux, voilà. C'est ma passion, j'aime partager ma passion et j'aimerais faire ma passion, mon métier, ma vie, mon avenir. Et non, actuellement je suis en train de me retrouver, en train de me mettre à 5h du matin des pains au chocolat Carrefour. Ouais. Mais voilà, c'est devenir compositeur professionnel pour dans le monde du jeu vidéo et du film. Tu crois pouvoir faire une cover en partenariat avec tous tes collabs? Alors, je sais pas si je suis con ou je suis con. Si tu parles, tu as carrément un mash, un regroupement de tous les compositeurs que j'ai fait fit, ça reste à voir. Faut-il que, parce que certaines personnes ne connaissent pas certaines personnes, donc il fallait qu'ils se rencontrent, qu'ils soient d'accord, qu'ils, voilà, qu'on en parle. Ou sinon, si tu veux que je refasse, tu as des genres de compositions en fit, bien sûr, en partenariat, comme je l'ai fait avec Vlad, avec Richter et avec Manu, je dirais pas non. Hein, je dirais pas non. Mais ouais, ça viendra dans de futurs jours à venir, ça viendra. Voilà. Titan qui m'envoie, est-ce que dans le futur tu pourras t'acheter du matériel de musique plus performant pour tes prochains sons? Alors bien sûr oui, c'est le cas et ça continuera toujours. Bah d'ailleurs j'étais censé faire une vidéo concernant l'arrivée de mon casque et de mes enceintes, parce que vous savez c'est venu comme ça d'un coup. J'avais fait une vidéo unboxing concernant ça, mais les vidéos étaient corrompues. Merci téléphone. Sinon ouais, j'ai pour prévoir d'acheter une meilleure carte son, parce que celui que j'ai actuellement c'est la Scarlett Solo 3ème génération. J'essaie de voir, tu vois, des cartes son spécifiques pour l'orchestral, voilà. Après oui, bien sûr, on verra dans des futurs jours à venir le meilleur matos. Donc voilà, pour l'instant là j'ai de bonnes enceintes, j'ai de mon casque, faudra juste que je change de carte. Ah, d'ordinateur aussi, parce que
je suis toujours sur mon ordinateur pourri auquel je commence à regretter parce que actuellement mes compos sont tellement puissants que mon PC il décède en fait. Donc voilà. Penses-tu rester encore sur VRChat? Oui, je pense rester sur VRChat. Je continue à rester sur VRChat. C'est juste que depuis que j'ai un travail, bah, j'y vais moins souvent sur VRChat. Là, je parle personnellement à Titan parce que Titan et moi, on se connaît sur VRChat. Parce qu'il fait un moment avant que je trouve un travail, j'étais souvent sur VRChat. Et bah, là, depuis que j'ai trouvé un travail à Carrefour, je suis largement moins souvent. Il faudrait que je sois beaucoup plus présent. Je suis vraiment désolé, Titan. Je pense toujours à toi. J'ai envie de te voir, mais bon, disons qu'il y a des moments où soit t'es pas là, soit je suis pas là, soit c'est les deux. Mais t'inquiète, on trouvera un petit créneau pour s'amuser. Multiverse qui m'envoie, pourquoi? Parce que. Voilà. Bon, du coup, les FAQ, c'est terminé. Si vous en avez d'autres FAQ, n'hésitez pas à poster dans cette vidéo, voilà. Et bien sûr, j'en ferai d'autres vidéos FAQ si ça vous intéresse. Voilà, c'est voilà. Il est temps pour moi, tu vois, d'avoir des petites questions, de faire des vidéos FAQ comme ça. Vous connaîtrez mieux davantage. Et au moins, vous aurez quand même une question que vous avez toujours posée sur moi. C'est vraiment important pour moi de faire des heures FAQ. Comme ça, je vois à quel point mes abonnés sont curieux me concernant. Concernant la chaîne, et ça, tu vois, vous voyez ce genre, tu vois, ce petit moment, tu vois, vous apprenez de plus en plus sur moi. Comme par exemple, voilà, là, je vous ai lâché comme quoi je suis Fury, et je vous ai lâché comme quoi je suis gay, pas pour sexuel, parce que j'étais en train de me chercher, mais là, je pense que les femmes. C'est plus pour moi, hein. Sorry ladies. Maintenant, on va passer aux résolutions 2024 que j'ai prévues pour la chaîne et personnellement. Première résolution, je vais essayer d'être beaucoup plus présent sur YouTube, sur la plateforme bien sûr, en termes de composition, en termes de montage, en termes de vidéos. Que ça soit sur la chaîne principale ou sur la chaîne secondaire, car la chaîne secondaire, je pense que ça va faire 3, 4, 5 mois que je n'ai pas de vidéo. Et aussi en termes de composition, parce que j'ai plein de prod qui sont en cours de production, pas fini, mais comme j'en ai plein d'autres aussi qui sont terminés, qui doivent être montés et postés. J'ai l'album Beyondfinity 2 qui doit continuer à être peaufiné aussi, bien sûr, parce que j'ai toujours pas fini. C'est vrai que je suis en retard actuellement, c'est vrai que je suis pas souvent disponible, mais j'essaie de faire de mon mieux parce que quand je rentre, la chose que je pense en rentrant chez moi, c'est dormir, faire une sieste et me reposer. Parce qu'il y a des moments au Carrefour, bah je vous cache pas que c'est un peu la merde. Seconde résolution, je pense enfin pouvoir commencer sérieusement, sans mensonge, le concept de Exposic. Je répète pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Exposic, c'est un sort de petit exposé dans la musique. Ça peut être un compositeur, ça peut être un style de musique, ça peut être un instrument, ça peut être un. Enfin, tout concernant la musique, j'en ferai bien sûr un petit exposé. Ça va pas durer une heure ou une demi-heure. Enfin, c'est juste selon les sources que j'ai. Ça peut varier de 10 minutes jusqu'à 5 minutes, voire 20 minutes, voire même peut-être une heure. C'est franchement, c'est vraiment un gros dossier. Et ce qui est bien, ce que je prévois de faire aussi sur Exposic, c'est, tu vois, des meetings. Genre, par exemple, je peux dire une connerie, ça peut être un Exposic en compagnie d'un du sujet principal. Donc, ça peut, je peux dire une connerie, je peux faire un Exposic sur Vlad. Donc, j'inviterai Vlad en vocal Discord où je pourrais carrément rencontrer Vlad. Ça, c'est lui qui voit. Rencontrer des personnes, des compositeurs ou autres, indépendants ou connus, et leur faire parler, leur poser des questions, parce que voilà, ça serait prévu aussi quand je vais rencontrer cette personne, faire un petit FAQ. Bien sûr, comme ça sera à lui de répondre et pas à moi. Un petit concept que je trouve très sympathique, ce genre de sur la chaîne, tu vas parler musique et parler composition et tout. Donc je pense que j'essaie de m'y mettre au maximum, et je pense que j'ai déjà trouvé mon premier sujet pour l'exposic. Quand j'y mets attaqué, ça je sais pas. Mais le montage, j'essaie de faire le mieux que je peux, faire un bon montage bien sûr, parce que je vais pas quand même parler comme ça. Il y aura bien sûr des petits extraits bien sûr. Une seconde résolution concernant la chaîne bien sûr, je vais chanter. Ouais. Je vais faire des prods auxquels je vais chanter. Faudra juste que je fasse des cours de chant, comme ça je pourrais mieux améliorer mon chant, mieux améliorer le truc. Alors ça va pas être de l'orchestral, je vais chanter plein de variations, ça peut être du métal, comme ça peut être de la pop, comme ça, tout n'importe quoi. Et bah vous allez m'entendre chanter, voilà. Quand, je sais pas, mais ça pourrait venir dans 2024, voilà. Tout ce que je vous dis, c'est pas prévu maintenant, c'est au cours de l'année, voilà. Y a pas de date prévue, y a pas... voilà. Troisième résolution aussi, je pense que, j'ai dit je pense, pas sûr, j'ai essayé de faire beaucoup plus de live sur Twitch, voilà. N'hésitez pas à partager ces vidéos parce que c'est important. Je pense que mes lives sur Twitch se feront tous les mercredis et dimanches de 16h à 18h, voilà. Je sais pas pourquoi, c'est envie de faire des lives, envie de
d'être avec vous. Le sujet à porter sur ces lives, ça va pas que être que la musique. Il y aura bien sûr de la composition, il y aura bien sûr de l'écoute de prog, de la découverte musicale. Mais ça va être aussi du gaming aussi, et aussi, tu vois, du papotage. Genre, tu vois, j'ai assis cul posé comme ça, et je vais parler. Voilà, tu vois, vous allez me voir comme ça, ici, on va parler ensemble. Et voilà, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un livre, tu vois, un live ouvert à tous. Un live papotage, vraiment, tu vois, on peut parler tout et n'importe quoi. C'est un simple petit truc que j'ai envie de faire aussi. Comme ça, on sera beaucoup plus proche, vous et moi. Et voilà. Puis, quatrième et dernière résolution, qui est franchement celle-là, le plus gros projet de ma vie, qui franchement va peut-être prendre des mois, prendre mon indépendance. Oui, parce que Théo Coulon, 22 ans, toujours chez maman. Bah là, vous savez quoi, en 2024, c'est l'année auquel je vais me prendre un appartement, donc je vais devoir économiser dessous. Et communiquer tout et n'importe quoi pour accroître ma chance d'un nouvel appartement. Ça sera juste à côté de mon travail. Donc, ne vous attendez pas. Un gros palace, ça sera un petit studio. Bah, c'est pas pour maintenant. Donc, voilà. Du coup, ça va me faire bizarre. Je vais avoir mon propre studio, mon propre appartement. Voilà. Je vais être tout seul à la maison. Du coup, voilà. J'ai vraiment hâte de passer ces petits moments. D'avoir mon appartement, d'avoir mon petit chez moi. Et ouais, ça m'a beaucoup m'impacter parce que pendant un moment, vous aurez plus de nouvelles de moi. Genre vraiment, ça peut durer un mois comme ça peut être deux mois. Le temps de déménagement, le temps que je puisse avoir une box, le temps que je puisse connecter, une fois que je fasse mon studio aussi. De toute façon, je ferai une annonce, bien sûr, en mode je déménage, à très bientôt. Et vous me verrez, bien sûr, dans mon nouveau studio. Et j'en ferai, bien sûr, une vidéo. Une vidéo behind the scene, je vais l'appeler, faire une vidéo best of ou cut off, je sais pas, une vidéo auquel vous allez me voir ouvrir ma maison, monter mon setup et tout. Bien sûr, je ferai des lives, hein. Twitch, ça existe sur téléphone, donc bien sûr, vous me verrez en live sur téléphone, en train de galérer, en train de monter peut-être mon bureau, faire mon setup. Mais voilà, 2024, c'est l'année de mon indépendance. Je n'ai pas encore trouvé d'appartement pour l'instant. C'est toujours en termes de recherche, après l'économie aussi ça compte. J'essaie de me démerder pour avoir mon appartement cette année, sinon ça sera en 2025. Mais voilà, c'est quand même le plus gros projet de ma vie, d'avoir mon propre appartement. Et du coup voilà, comme ça bah, je pourrais tourner les vidéos quand je veux ou quand je pourrais, bien sûr. Sans pouvoir déranger mes frères ou autres. Mais même si actuellement je peux faire ce que je veux. Mais bon, mentalement je me permets de restreindre des trucs. Du coup voilà, c'était mes résolutions, c'était les vacus. Alors, je vous coupe quelques minutes la vidéo car je suis en train de faire le montage actuellement et j'ai oublié de vous faire parvenir une résolution qui va être très importante, qui va vraiment le plus important, le plus gros projet de la chaîne et de la musique de mon côté. Je vais monter mon propre label. Pas un simple DistroKid ou un Discord, vraiment ma propre distribution, mon propre label, mon propre truc, rien qu'à moi. Pas pour 2024 parce que déjà l'appartement, le champ et tout est quanti, ça fait beaucoup. Voilà, dans les années à venir, voilà, juste que je fasse des démarches de comment ça marche, de comment faire, de tout est quanti, des contacts, voilà. Voilà, si je dois me casser les couilles pour créer quelque chose, ma propre distribution, mon propre label, mon propre truc, je vais le faire quand, je sais pas, peut-être possible. Est-ce que ça va être accessible au public, vous allez me demander. Ça, je ne sais pas encore, mais c'est vraiment un stat, vraiment là, il y a juste l'envie qui parle. C'est juste mon envie qui parle de voir un label, voilà, d'avoir une musique en mon nom, d'avoir un monde à mon nom, que je vous laisse avec les vidéos, et merci, désolé pour cette interruption, voilà, bisous. Et je suis vraiment sincèrement désolé de ne pas avoir été là ce mois de décembre. C'était carrément la merde à Carrefour, c'est à cause de ça bien sûr. Et aussi un peu personnel aussi, que je peux pas en parler. Mais voilà, je m'excuse beaucoup pour ce gros silence sur décembre. Je pensais pas que ça allait peser parce que je vois vos MP, je vois des gens qui me disent tu es devenu quoi Théo, qu'est-ce que tu fais, t'es toujours à fond sur la musique, enfin voilà, on s'inquiète pour toi. Et c'est mignon de votre part de s'inquiéter pour moi, de me demander si tout va bien. Je vais bien pour ma part, c'est juste le travail qui restreint mes compositions et mon sommeil parce que voilà. Mais comme là, c'est beaucoup plus calme, c'est début 24, on commence tout, voilà. Je vais pouvoir quand même commencer mes projets peu à peu, essayer de revenir sur YouTube peu à peu. Et commencer mes lives sur Twitch peu à peu, voilà. Je vous cache pas que parfois ça manque aussi de vous parler comme ça sur YouTube, de faire des FAQ, de parler comme ça à une caméra. Du coup, là, c'est tout ce que j'allais dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me rendre visite sur mon site, sur le site Spring, pour acheter des articles Monsieur Coulon et Théo Coulon, en envoyant une photo de vous par mail. Et comme ça, je vous afficherai en fin de vidéo et en fin de composition. Ça prouve à quel point ma communauté tient à moi. Alors, il n'y a plus le poster. Oui, ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus le poster parce que le poster ne tient plus. Faut que j'achète la pâte à fixe.
Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à acheter les articles. Me secouer, je sais, c'est cher. Je peux pas, j'ai essayé de faire moins cher possible, mais je peux pas. Voilà, sinon, il râle. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo à toutes vos familles, à vos potes, à vos chats, à vos chiens, à vos poissons rouges. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas. Et n'oubliez pas la cloche pour rater aucune notification de la chaîne. Dans ce cas, je vous dis à bientôt pour le prochain compo et prochaine vidéo. Bisous!